Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite, toute petite vidéo. Je vais vous présenter ce que moi j'ai réalisé en échange sur l'échange qui a été réalisé sur le groupe Evency Scrap. C'était la pochette recette que le Bérangère a fait en tuto sur sa chaîne YouTube. Je vous avais présenté ce que m'a envoyé ma binôme, donc Magali. Donc là, je vais vous présenter ce que moi je lui ai fait. Donc je lui ai fait une petite carte toute simple. J'ai réalisé ça avec un kit de chez Action, un des derniers kits sortis là sur l'automne. Donc voilà, c'est toute une petite carte toute simple avec un papier de la collection et des die cuts. Voilà, donc ça c'est plutôt assez simple. La carte fait 10 par 15, donc 10 par 15. Voilà, donc sur une base de craft, carte toute simple. Donc je lui ai fait ma pochette recette. Voilà, comme ceci. Donc pareil, j'ai fait une base de craft. J'ai pris un petit tissu comme ça qui est en bobine qui venait de chez Action. Donc j'ai utilisé la même collection de chez Action. Donc là, c'est les die cuts de la collection. Et donc voici ma recette. Donc moi, c'est un risotto au potiron. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis les ingrédients et derrière, j'ai mis la réalisation. Voilà. J'ai fait comme ceci. Donc vous voyez, la pochette est comme ça. Donc là, on met ça c'est un bout de masking tape pareil qui venait de chez Action. Et vous mettez votre petite recette à l'intérieur. Donc moi, j'ai pris des die cuts de la collection. Voyez. Et voilà, donc c'est vraiment assez simple, assez facile à faire. J'ai beaucoup aimé le faire, franchement. C'est très simple. N'hésitez pas à aller voir le tuto de Bérangère. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'espère que Magali, ma créa, te plaira. En tout cas, ça a été un plaisir de faire ce petit échange avec toi. Voilà, encore merci pour ce que tu m'as envoyé. Et puis bah, j'espère que moi, ça te plaira. Donc voilà, c'était vraiment une mini vidéo. Je vous avais dit que je vous ferais voir ce que moi j'ai réalisé. Donc voilà. Je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, donc, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.